Les données de santé dans les hôpitaux sont collectées autour du dossier patient informatisé. Il y a énormément de données que les hôpitaux créent, récupèrent et produisent. D'ailleurs, les hôpitaux sont les premiers producteurs dans leur diversité de données de santé. Alors le DPI, qu'est-ce que c'est? C'est le dossier de patient informatisé. C'est un véritable point d'union entre le patient et l'ensemble des équipes de soins qui s'occupent du patient. Donc il est censé recentrer toute l'information, regrouper toute l'information qui est nécessaire pour la prise en charge. Dans ces dossiers, on va trouver des informations qui sont d'ordre interne, produites par l'hôpital, et puis des informations qui sont produites par des sources externes. Dans les sources internes, ça commence à l'admission, puisque lorsqu'on arrive, on a un questionnaire d'admission qui est rempli par le patient, et donc on a des informations d'identité du patient. Tout au long du parcours, on va produire des données, pendant les examens, pendant les interventions, et puis à la fin, lors de la prescription pour exécution en ville. Pour la partie externe, un hôpital est connecté avec les acteurs du territoire et les acteurs nationaux. Alors, dans les acteurs nationaux, on a le dossier médical partagé, le DMP, Mon Espace Santé, qui permet de récupérer des données qui sont aux patients et qui proviennent d'autres sources. Et puis, il y a pour les hôpitaux les plateaux techniques qui peuvent être distants de radiologie et de biologie. Et pour terminer, il y a toutes les données qui sont produites par les dispositifs médicaux connectés, qui produisent de l'information directement depuis des capteurs qui sont placés sur le patient et qui sont relayés sur des plateformes et qui sont consultés à distance par les hôpitaux pour avoir accès à ces données-là. Les données qui sont produites ou acquises depuis des sources externes par les établissements, elles sont centralisées dans le DPI et elles sont rendues accessibles à l'équipe de soins. L'équipe de soins, c'est une structure qui est parfaitement définie par la loi. C'est les personnes qui s'occupent du patient et rien que de ce patient-là dans le cadre du séjour. Ça veut dire qu'il y a des systèmes de sécurité qui font que les données ne sont pas rendues accessibles par d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les soins que vous avez dans l'hôpital. Ça, c'est un point très important et une forte préoccupation dans nos établissements parce qu'il en va de la confiance. Si il n'y a pas de confiance dans le patient, dans le fait qu'il y ait un véritable secret médical dans l'établissement, il n'y a pas de soins. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de soins. Nous l'avons vu et nous le voyons quotidiennement quand il s'agit de promouvoir le dépistage, par exemple. Le dépistage n'est pas fait lorsque les patients n'ont pas confiance. En revanche, il est bien fait lorsque les patients savent que leurs données seront protégées de tout accès par des personnes illicites. Donc, depuis le serment d'Hippocrate, il y a 2400 ans, les établissements ont cette préoccupation de protéger les données de santé, techniquement et par des processus en termes de qualité. Alors, techniquement, toutes les données sont protégées par des habilitations dans les systèmes d'information de santé qui sont généralement positionnées au niveau de l'unité fonctionnelle, qui est la plus petite unité dans laquelle un patient passe au travers pour une prise en charge. Et à chaque fois que le patient génère de la donnée ou qu'un médecin a besoin de données, il doit être dans la bonne unité fonctionnelle pour pouvoir prendre en compte ce patient-là. Ces habilitations, elles sont définies par des commissions. Les commissions qui sont des personnes de la qualité, de la commission médicale. Ces habilitations, elles sont définies au regard de la loi et mises en place par les directions de systèmes d'information qui génèrent les outils pour sécuriser les outils. Les directions de systèmes d'information donc mettent en place les habilitations et puis aussi mettent en place des outils qui permettent d'assurer une traçabilité des accès. Il y a beaucoup de questions sur l'accès et la sécurité des données. Et certains me disent même qu'il faudrait mieux parfois revenir au papier parce qu'on a peur d'une menace cyber. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Les banques ont abandonné le papier depuis les années 90 parce que justement le numérique est sécurisé. Aucun accès sur des données ne se fait sans une habilitation. Et en plus, tous les accès sont tracés. D'ailleurs, il y a eu des plaintes et ces plaintes sont instruites et grâce aux traces, les médecins ou les professionnels soignants qui ont commis des actes
qui vont à l'encontre du secret médical, eh bien, sont condamnés. Donc le numérique est au contraire une source de sécurisation, même si les établissements font face à des enjeux importants de cybersécurité. Il ne faut pas pour autant revenir au papier. Alors les traces, elles sont auditables, elles font l'objet même d'audits réguliers des commissions de contrôle, ce qui fait que le numérique est un véritable pilier de sécurité de la donnée dans les établissements santé. Pour comprendre l'interopérabilité, c'est un peu comme voir deux téléphones qui ne pourraient pas se parler, sous prétexte par exemple qu'ils sont dans des abonnements ou des fournisseurs différents. Donc l'interopérabilité, c'est ça, c'est le fait que deux logiciels puissent se parler et échanger une même donnée, bien que les logiciels soient différents, et la donnée doit être la même et interprétée de la même façon. Le premier enjeu, donc, c'est de fluidifier l'échange à travers les acteurs, de manière à ce qu'un patient puisse partager ses informations avec les médecins qui les prennent en charge et sortir de l'hôpital avec un dossier complet qui puisse être pris en charge par les soins en aval. Et puis l'interopérabilité, c'est aussi une source de sécurité. Une interopérabilité bien conçue, c'est une interopérabilité dans laquelle on a des protocoles qui sécurisent les accès et qui permettent de tracer les accès. Donc du coup, l'enjeu de l'interopérabilité, c'est aussi de faciliter un accès sécurisé à la data. Pour finir, je pense que le fait que deux logiciels soient interopérables leur permet de communiquer, d'échanger de la donnée sans avoir à la dupliquer. Donc ne pas dupliquer de la donnée, c'est plus intéressant pour la sécurité puisqu'on n'a pas des données qui sont recopiées d'un système d'information à un autre, d'un hôpital à un autre. Donc ça, c'est le premier gage de sécurité. Et puis, c'est aussi intéressant d'un point de vue écologique puisque ces immenses données, ces quantités colossales de données qui sont générées par les établissements n'ont pas besoin d'être recopiées non plus. Ça saturerait les data centers, nos centres de données qui sont des centres gourmands en énergie. Et donc, autant que possible, il faut optimiser l'usage de ces data centers, donc réduire l'empreinte carbone en minimisant la recopie de données grâce à une interopérabilité qui serait complète entre les sources.